この願い叶って。もし一枚だけ君からもらえるそのバブルガム。気づかないうちに。Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et ça va être un tuto sur comment personnaliser son Nook Phone. Je trouvais que c'était sympa de pouvoir vous montrer tout ça. Donc, il vous suffit d'aller à la borne du Nook Stop. Il faudra que vous échangez des Mice Nook, tout simplement. Donc, échangez des Mice Nook. Et là, il faut prendre kit de coque personnalisable. Ça vaut 1800 Mice Nook. On échange. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera par courrier. Donc, du coup, vous ne l'aurez pas tout de suite. Il faudra attendre le lendemain. Vous irez à votre boîte aux lettres chercher votre petit courrier. Et là, vous aurez le programme Mice Nook. Vous allez l'ouvrir et vous aurez la coque personnalisable du Nook Phone. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas l'utiliser tout de suite, il vous faudra aller à un établi et du coup, vous allez pouvoir le personnaliser. Donc vous le prenez, vous personnalisez et comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs, le vert, le rouge, le rose, le noir, le blanc, le bleu, le jaune, le beige et aussi on peut le personnaliser avec des motifs perso et ça j'ai trouvé ça super cool. Donc moi j'ai pris un petit motif perso Harry Potter parce que j'adore Harry Potter pour ceux qui me connaissent. Donc du coup je l'ai mis en Harry Potter personnalisé et vous allez voir que c'est trop mignon. Donc une fois terminé, voilà ce que ça donne. Je le trouve trop cute. En tout cas, voilà, j'espère que cette astuce vous a plu. J'espère que vous la connaissez pas, mais au pire, de toute façon, je pense que c'est toujours bon à prendre. Toutes les astuces sont bonnes à prendre dans Animal Crossing. Si le concept vous plaît, on n'hésite pas à s'abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo astuce. Allez, ciao. この願い叶って。もし一枚だけ君からもらえる。